Andare a Zunzu per i negozietti di Saint-Denis e spulciare tra libri, oggetti vari. Lo faccio spesso, finché un giorno mi ritrovo sulla soglia dei tesori d'altri tempi. E lui era lì, in camicia e cravatta, quasi sommerso da un pericolante masso di cianfrusaglie, o meglio, i suoi tesori, che curava quasi con amore paterno. E chi l'avrebbe detto che in fondo a questa bottega di robi vecchi mi sarei imbattuto in qualcosa di cui nemmeno io sapevo aver bisogno? Una nuova amicizia. Tanto da farne un film. Di cinema so poco. Ma in fondo neanche Lucio è un vero ebanista e non sta certo a preoccuparsi di quel che pensa la gente. E allora eccomi qui, dietro la telecamera. Ciak, si gira. Parfait. Il y a 17 ans de ça, che les gens couraient beaucoup le... Courait beaucoup les choses de deuxième main usagées et des choses pratiques. Donc les gens s'adaptaient beaucoup à tout ce qui pouvait se réparer eux-mêmes. Donc on les vendait tels quels. Aujourd'hui les gens sont devenus beaucoup plus exigeants. Tandis qu'avant, nous, on vendait beaucoup pour les étudiants qui venaient chercher des chaises, un bureau de travail, une commode, des choses pratiques. Alors, c'est ça qui fait changer aussi la clientèle. Nous, pendant des années, on avait vraiment une clientèle, disons, très variée, mais... La marchandise roulait beaucoup. Le quartier a changé radicalement. Et nous, on s'aperçoit que la clientèle, c'est même pas du quartier, c'est de l'extérieur de la ville. Des gens qui restent en périphérie, qui viennent passer la fin de semaine, je ne sais pas, se promener sur Saint-Denis. Donc, un morceau qui est mis à l'extérieur, qui les attire, un morceau décoratif, comme une table d'appoint, une vanité. Avec la récession, c'est normal qu'on se pose mille et une questions parce que on est quand même entouré de très grands magasins que nous, on est des petits comparativement à ces gros magasins, disons, qui sont dans le neuf et qui ont ça veut dire, mais pas tout le monde est capable d'acheter ces choses-là, hein. Donc, c'est la bonne occasion à la portée de tout le monde. Hein. C'est ça qui est que ça a été toujours la vocation de la boutique. Répondre à tout besoin et les prix abordables. C'est évident que la boutique, on dirait qu'elle a fait son temps. on pourrait l'éliminer parce que... Ça explique un peu le fait qu'avant, il y a des boutiques de brocante, il y en avait à chaque coin de rue presque. Aujourd'hui, bon, même des marchés aux puces, il y en avait plusieurs à Montréal. Là, il y en a juste un. Alors, ça veut dire que dans l'usager, il faut bien faire attention. Ils ne sont pas vraiment... Ça veut dire que le public est un peu saturé de tout ça. Ça, c'est pour une livraison, ça. Faut tout les faire livrer. Bonjour, ça va? Ça va. Après 15 jours que j'occupais la place, la ville de Montréal voulait me sortir. Parce que elle disait que c'est enregistré nulle part comme commerce. Donc j'ai dû faire les démarches pour le faire devenir commercial, mon local. Et c'est passé. Mais, quoi c'est? Mais, ils sont tous à vitesse aujourd'hui. On traverse, faut faire attention. Hein? Et puis, je vive à quoi? Parce que je suis jeune, je suis rendu à 29 ans. Next. Il y a eu des périodes que M. Jean était même mon vendeur. Il y avait trop de stock, il filait ça jusqu'au plafond. Oui, mais c'était ça que les gens voulaient. Ouais, ouais. Les gens, ils ont toujours dit, on aime le fouillis. Hein? Oui. Elle n'a pas changé, alors. Hein? Ben, on a toujours gardé cette tendance. Il y avait
il y avait assez un peu, mais il n'a pas de reste. On l'a vidé, revidé, rempli à nouveau, puis là, oui. C'est normal qu'il est encore dans une situation précaire, mais on va encore déblayer dit, la place. Après ça, il dit au vendu, j'achète pas. Mais me tourne la tête, il achète à cause. Ça devient, c'est devenu une manie, ça. Ouais. Je vous jure, il y avait le comptoir d'Abdoul qui était là. Il y avait juste le coin en avant du comptoir qui était disponible. Et à partir de ce petit coin qui était disponible, le magasin était plein. De là jusqu'au fond, jusqu'à la quatrième pièce, je te jure, Rocco. Mais nous, c'est pour attraper les curieux comme toi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on... Mais oui, t'as réussi. Il y a des gens qui aiment ça, le fouillis. Lucho, t'as réussi. C'est mais, lourd, hein? Mais l'aiguille est vraiment finie. Ah, la blague, le son. Oh là là, il manque de force. Non, Lucho, il faut le recrinquer. Il faut lui redonner des forces. Oh là, waouh! Manque de vitamines. Attends, on va l'enlever. Connaître la mélodie, par exemple. C'est ça, la mélodie. Et déréglée. Je crois que ça serait une bonne idée que Lucio prenne le temps de dégager et de réinstaller, d'aérer. Ça serait une très bonne idée. Mais qui est capable de le convaincre? Si vous me trouvez quelqu'un, si tu me trouves quelqu'un qui est capable de le convaincre, bravo. Questo viene dal mio giardino. E ogni anno ne coltivo diverso. Le conosci le comarelle? Sì, mia madre ce l'ha in giardino. Pure le comarelle faccio crescere. Lucio e Dio. Quante cose in comune. La nostra bella Italia, l'amore per gli oggetti immersi nella polvere del tempo, il fascino per la lingua di Molière e tutti e due insegnanti. Lucio però, ex professore di francese, oggi cambia pelle, si ricicla in antiquario filosofo. Una filosofia semplice, certo, ma difesa gelosamente, come ognuno dei suoi tesori dimenticati. Cuore di bue, saporitissima. Ma è rinfrescante la tomata, Leti. Ah, Lucio, però ogni giorno c'è la caravatta. Quella che stai presendo a Firenze, qualcosa. Io andavo a caccia diversi anni fa con la caravatta. Perché non potevo sopportare che i rami degli alberi entrassero. No, la caravatta. Questo è un antipasto, dopo si mangia la pizza. Un personaggio del genere non poteva non affascinarmi. Ed eccomi lì a rendergli visita ogni settimana. E poi tutti i giorni. Era ormai diventato parte della mobilia. Ancora in primo lampo, sì. Ehi, tiens, Rocco, ti vieni te? Ciao, Lucio. Ti arrivo giusto a te. Se vieni, so. Allez, beaucoup mieux que hier, Lucio. Ici, on a besoin toujours des bénévoles. C'est une échelle? Non, non, c'est pas nécessaire. Juste le tenir ici, regarde. Attends, passe à l'autre côté. Juste le diriger, moi je vais le descendre à la verticale. Comme ça, voilà. Je n'ai pas tombé sur toi, là. Ok, voilà. Bon, il est rendu. C'est un buffet horizontal de cette salle à dîner des années 20. La dame qui a acheté ce meuble-là, il a vu les verres, il veut les avoir, ben j'ai dit, sont donnés avec le meuble. Était contente de l'achat. Ho capito subito che Lucio non era il tipico commerciante. Prezzi da regalo, consegne gratuite e piccoli doni a clienti sempre più rari. Ma non poteva certo farlo solo per il guadagno. Ma allora perché?
C'est ça déplacer les choses. Tiens, tu vois les trésors qui sont. C'est ça. When you and I were young. Ah ouais, Rocco, se tu veux manger ce soir. Possibile che questo insegnante in pensione continuasse a trasmettere conoscenza nei panni di antiquario proprio per continuare a riverberare il passato. E così cresceva sempre più la mia simpatia per questo insolito commerciante. Beh, ok. On le met à terre d'abord. Lève-le. Yeah. E giù a parlare di noi, delle nostre peripezie di insegnanti o dell'amore per le cose vecchie. Come non ammirare quel suo talento d'artigiano, quel suo fai da te che ridava vita nuova all'altrimenti inutile. On est prêt? On est prêt? Yeah. Mais quand tu la bats sur toi, mais c'est pas trop dangereux. Yeah. Bon, la porte là-bas dans la. Oui, la voiture, voilà. Juste un trajet comme ça. Ok, on y va. Un, deux, trois, monte si t'es capable. T'es capable? Ouais. La sua calorosa accoglienza, la sua generosità verso chiunque. Insomma, sentivo di dover condividere la mia scoperta, far conoscere anche agli altri questo autentico tesoro d'altri tempi, che era Lucio stesso. E voilà, opération. Terminé. Mission accomplie. Ouais. Oh. Voilà. Bon, on fait la mise. Voilà. Oui, ah, bonjour. Monsieur, ça va bien, ça va. Oui, mais, bienvenue chez moi. C'est un petit peu bordélique, là. Tu m'avais pas dit que c'était le premier étage. Mais bas. Non, c'est au deuxième. Je suis habituée, je les connais. Des fois, on va au troisième, c'est encore pire. Pas drôle, hein? Mais demande-lui, comment il s'appelle? Mario, on a besoin d'aide. Non, ça prend toujours trois personnes pour ça, sinon. Mais le poids va être en arrière, là. C'est pas grave, c'est pour ça que ça prend deux personnes. Attends, arrête. Il faut que tu le baisses un peu là parce qu'il est rendu trop vers le coin. Vas-y. Ça va? Et prends le café. Non, tu n'embarques pas. Ah, c'est toujours à Lucio, en fait, que s'il faisait le ménage de son magasin et s'il plaçait bien ses meubles, là, il ferait une fortune. Oui, mais là, on va y arriver peut-être un jour. Parce qu'en fait, quand on va chez les autres antiquaires à Montréal, on se rend compte que Lucio, il vend ses meubles et ça nous fait plaisir en même temps. Posso solo immaginare con quanta tristezza Lucio vedesse naufragare la sua bottega tra i flutti dell'indifferenza, clienti fedeli in via di disparizione e con loro quel poco di profitto. Bisognava correre ai ripari. Certo, quella bottega in fondo era la tana di un ex insegnante, ormai divenuto egli stesso oggetto tra gli oggetti dimenticati. Ma l'antiquario che pulsava in lui non voleva affatto arrendersi. Oh, ça m'intéresse pas, parce que je suis assez gêné pour ramasser les choses. Il y en a d'autres qui vont la ramasser puis vont me l'amener au magasin. Oui, mais même avec le beau temps, ça va changer l'allure des clients. Il y a vraiment pas des nouveaux clients. C'est toujours les anciens, puis on manque d'une fréquentation régulière, pour dire plus. Ouais.
des contretemps incroyables. Ça veut dire que les journées sont presque 5-10 dollars par jour. On va pas loin. Les gens ne s'intéressent pas? Ils s'intéressent, mais souvent c'est la question de prix. Hein. Parce que dans l'usager, nous autres, on ne va pas cher. Puis quand ils nous demandent un prix un peu huppé, comme on dit, sont réticents les gens pour se décider. Bon, OK. Moi, je dois travailler, j'ai pas de temps à perdre. Je dois la raffiner pour l'atteindre, ça, j'attends que la client arrive. J'ai cassé mes ongles ce matin. Ça fait au moins 42 ans que je suis entre le magasin et l'école. 42 ans, c'est toute une vie. Hein. Je suis resté 33 ans à la même école. J'ai fait une année au secondaire, 33 ans à la même école. À 62 ans, j'ai pris ma pension. Et là, ça fait déjà 10 ans que je m'occupe à plein temps du magasin. Mais ça, 6-7 ans avant, je l'avais déjà, de prendre ma pension, je l'avais déjà ouvert le magasin. Bon, je me surprends moi-même comment ça que j'ai encore tant d'énergie, mais là... C'est pas les graines à chipi, ça? Aussi, mais on les partage. Hein? Hey, salut Martin. Hey patron, ça va? Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va. Puis, est-ce que des nouvelles choses? Hey, c'est vieux ça. Mais ici, on a toujours des nouvelles choses. Au jour le jour, on a toujours, toujours des vieilles choses. C'est mis de où, ça? Vous avez trouvé ça dans votre hangar? Non, moi, des fois, il m'arrive des lots de matériel. Et parmi un tas de choses, on trouve des caméras, on trouve des écouteurs. On trouve n'importe quoi. Combien pour ça? Ben, ça, c'était le fait qu'il est très vieux, ça prend au moins 5 dollars. 5 dollars? Donné, c'est égal de fil original. Oui, bon. Ça doit être des années 50-60, ça. Ecco Martin, un appassionato d'antiquariato. Anche egli intenzionato a farci qualche soldo. Non, il y a de la bonne marchandise, c'est juste qu'on la voit pas, la marchandise. Faut que tu vois, là, il y a un niveau là-bas qui m'intéresse, mais c'est impossible d'aller chercher un vieux niveau tout en bois. Ouais, il m'a offert une belle chaise que ça vaut 400-500 piastres pour 50 dollars, mais j'ai pas de cash. Aujourd'hui, ça va mal. Aujourd'hui, demain, ça va aller mieux. Combien pour la tasse? Ça, c'est dommage parce qu'il est les tours jumelles, il faut la recoller absolument. Ah, c'est pour ça que vous la gardez, à cause des tours jumelles? Il était fêlé, mais là, il y a eu un... Fêlé aussi ici? Oui, il était fêlé avant. Mais il faut la recoller juste pour la décoration. Je veux le niveau là-bas, là. C'est-tu le vôtre ou c'est un que quelqu'un vous a apporté? C'est le mien, ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, pour attirer un client. Mais il est à vendre? Oui. Combien? Ben, combien? Comme je t'ai dit, ça dépend de ton utilité. I clienti si fanno sempre più rari. E Lucio? Non resta che ascoltare le strategie di mercato di Martin. Che possa essere lui la chiave di un nuovo successo negli affari di Lucio. Il y a de quoi, ok, un pesce de... Finalement, je vais laisser faire. Non, mais c'est le cadre qui l'a fait débalancer. Sinon, il était possible de le faire embarquer. Il y a des années
que la situation est un peu flottante dans les ventes. Ça veut dire qu'il y a des années que c'est bien normal, il y a des années que c'est très, très lent. Donc, envisager les dépenses, c'est ça qui m'a motivé toujours à avoir l'option de sous-louer la moitié du magasin. Je connais Lucio, c'est quand même près d'une dizaine d'années. C'est à peu près les mêmes activités, mais pas tout à fait. Parce que nous, on fait l'art et des choses qui sont vendues dans du neuf. Et lui, il fait l'usager. Mais j'avoue effectivement que c'est différent. On a quand même, on respecte l'option de garder une autonomie complète, soit dans les achats, soit dans les ventes. Mais lui fait vraiment la brocante tassée, et puis du fouiller un peu, quoi. C'est un peu ça. Bon, moi, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais... Et on dit souvent, il y a un proverbe qui dit qu'on n'apprend pas aux vieux monsieur de changer leurs pratiques. C'est difficile. Donc, voilà. Parce que j'imagine les femmes quand même. Tu vois, quand les mains sont... Les bras sont pas assez longs, tu prends... Le balai. Même, je vais vous la mettre de côté. Puis c'est dommage que vous ne vendez pas la lampe, là, je l'aurais bien pris. Celle-là? Oui. La vague. Mais je peux le vendre, mais c'est un peu plus cher, ça. Ça serait combien? Mais il faut me donner au moins 10 $. Parce que juste ça, là, pour le faire faire, ben ça, oui, ça coûtait cher, le gars. Oui, il faut que je termine de quoi là. Ouh, c'est assez là. Je ne suis pas constamment sur le meuble là. Un peu à la fois, de temps en temps. Ça, c'est une vraie antiquité, 1850. Sono passati diversi mesi e, come diciamo noi, mi è venuta voglia a un certo punto di mettere le mani in pasta. Chiaro, con il benestare di Mastro Lucio sarei potuto diventare il suo nuovo apprendista. Eccomi a riparare, consegnare mobili e gestire anche il negozio di tanto in tanto. Oui, ma après, il y a un raffinement, per. Parce que ça, la brosse, elle gratte mes pattes. No? Alors, c'est un minimum, ça. C'est bon, hein? C'est quel bois? Noyer. E di lì il piacere di sognare che un giorno io potessi prendere il suo posto. Pura magia. Ça, c'est l'art du décapage. Ça va vite, c'est efficace. Parfait. Stavamo cercando oggetti, anche mobili, per una casa in Canada. E Lucio, ad un certo punto, si è messo a parlare italiano con noi e ci ha detto: prendete quello che volete, io non voglio niente. Il piacere della vita, c'è ça. Guarda un po' tanto. Questa cosa mi ha colpito moltissimo. Quando vado a Montreal, non posso pensare a Montreal senza Lucio. Per me Montreal è Lucio. Alla felicità e al negozio, e che duri tanto, tanto, tanto. Ma il negozio, come abbiamo detto, una volta che si matura la cosa... Ma siccome la cosa non matura, per fortuna... Ma lo sai che è capitato questa mattina? Ho preso tutti quanti per sorpresa, perché si aspettavano di precisare l'offerta. Allora io ho detto: no, il negozio non è a vendere. Ecco, così si fa. Non è da vendere.
questi qua volevano comprarle, no? Sì. Hanno trovato i pretesti che era troppo ingombrante e che loro volevano mettere tutto fuori e prendere tutti i negozi. Se manchi men, sapevi tutti che faceremo a vi. Boh. Questo pappagallino qua, e questa è quella che io chiamo arte, è messo in una gabbia, sopra un tavolino arrovesciato gambellaria, tra una poltrona e una valigia rotta. E questa è, come dire, non posso dire altro che fategli una foto e mettetela al Museo d'Arte Moderna. A riempire d'orgoglio e gioia il cuore di Lucio ci volevano questi lontani amici che consideravano quella Babele di oggetti come arte autentica. E sembrava davvero che questa coppia di fedeli clienti che aveva attraversato l'Atlantico apprezzasse Lucio e il modo in cui preservava questi tesori d'altri tempi. Situazione artistica. Noi spesso ce lo diciamo quando portiamo le cose in Italia o le teniamo. Questa viene da Lucio, è come un marchio di fabbrica, come il fornitore dei re di una volta. Sì. Grazie dei complimenti, ma giustifica la mia ostinazione che avevo ragione. Quando la gente mi dice no, è troppo ingombrato, non è un negozio, quella gente lì non capisce niente. No, infatti. Allora è così. Oui, vous avez vendu ça? Ça? Ça vaut 15 dollars. Bon prix. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ben oui, ça. Hein? Ah, boy. E se sa, la giornata di un'antica è. Est-ce que tu prends les deux ou tu prends la blanche seulement? Je prends la noire. La noire aussi? Ouais. Oh, va falloir que je revienne. Non, calme-toi, on va te remplir ça, là, tu vas voir que je vais. Ben oui, mais avec les deux fois, ça va. Alors, t'en as 7 ici et 3 qui doivent être encadrés. Ok, ça tu vas les installer comme ça. Voilà. Je t'accroche dedans. Là, t'es vraiment décoré. Allez, montre-moi ouais. Ça. Vas-y, fais un effort, voilà. Ah, si. Mais comment je vais faire pour prendre le bus? Est-ce que tu prends un autobus? Moi, je marcherai jusqu'à chez toi un peu, tranquillement. À la prochaine. Bye. Je l'attendais, elle. Je l'attendais impatiemment parce que j'avais pas un sou dans mes poches. Puis là, ça réglait un peu le problème. Elle est lourde. Le soir sont un peu plus lourds que le matin. Oh! Afin de les déplacer de l'extérieur à l'intérieur, il y a toujours quelqu'un qui peut partir avec un morceau. Et souvent, j'ai perdu vraiment des beaux morceaux. Donc, il faut reprendre l'habitude souvent de les attacher. Sinon, ils vont disparaître. Malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai. Mais il y a toujours une place au soleil, hein? Une place pour tout le monde au soleil. Voilà. Elle va se reposer pour la nuit. Bye, Chippy.
Lucio teneva più di ogni altra cosa a quest'angolo di paradiso e spesso si privava del calore di un pasto in famiglia. Ammiravo talmente questa sua tranquilla determinazione, la sua ferma volontà di sfidare apertamente le tristi previsioni sul suo futuro. Ma questa ammirevole tenacia non era forse più una sorta di testardaggine? Ma quanto tempo ancora avrebbe potuto resistere? Qualche anno? Qualche mese? O delle settimane? E questa giornata che finiva era forse una delle ultime occasioni offertemi per condividere del tempo con Lucio. Sono passate settimane e malgrado tutto, Lucio resiste. Martin ha proposto differenti strategie per dare nuova linfa al suo negozietto. Lucio può conservare alcuni dei suoi tesori nel magazzino di Martin, per fare un po' di spazio, chiaramente, ma anche e soprattutto per dare risalto alla mercanzia e attirare lo sguardo degli acquirenti sensibili. Ma Lucio si sente a disagio con questo approccio, che a suo avviso snatura lo spirito del suo commercio. Ok, sono la Dior, se no tu la les Dior, va grave. Approche toi. Fais pas semblable, il faut que tu m'aides. Donne-moi ça. Fais semblable de m'aider, puis fais rien. Tiens ça là, un chef d'œuvre. Ragazza, come sei arrivata a Lucio? Non so, ci devo le restaurare. Come si restaurare questa? Ah, oui, oui, ça. Tu vuoi restaurare questa? Oui. Come? Après, je vais te le vendre très cher. Lucio, regarde. Lei si dit quand. Non, 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 ce sont faites pour restaurer ça. Ça, ne t'inquiète pas. Déprécie pas les choses quand tu n'es pas capable d'acheter. Parce que je fais de la place pour des choses plus importantes. Tu as décidé de faire un grand ménage, là? Oui, oui. Ben, il faut tout innover, là, le magasin. Je songe de faire mettre ça même sur Internet. Si tu avais mon âge, tu travaillerais plus vite que ça. Bon, suis-moi. Dehors. Ça, dehors. Ça, une belle table, ça. Dounia, bonjour. Elles font perdre du temps, des fois. Moi, je veux savoir, c'est comment ça que vous occupez des produits à Abdoul quand il est pas là, c'est quoi là? Moi je suis un homme coopératif, ça veut dire je collabore, j'ai quand même, j'assume une responsabilité de vérifier les gens qui rentrent, qui sortent, et en même temps je donne aussi une démonstration de ces articles-là que je connais. Pas de problème, je peux vendre aussi, hein. Bonsoir. Bonsoir. Hey, maman, ça va bien? Oui, oui, je vous rappelle.
Monsieur, toi, tu polis ou tu fais? Comment? Est-ce que tu fais la poussière, toi, là-bas? Non. Non, ok. Pourquoi? Non, je pensais que tu polissais. J'allais prendre un drap pour couvrir. Non, je vais t'amener un drap quand tu fais les travaux. Je suis en train de mettre juste des vis. Ok, mais je vais t'amener une couverture que quand tu fais des travaux... Oui, mais c'est rare que je vais sabler ici. Oui, parce que bon, comme je veux mettre les vêtements maintenant... Le problème, c'est parce que comme les gens, ils viennent, et comme lui, il ramasse, il prend tout, quand ils viennent, ils se débrouillent pour venir faire un peu de sous. Et si lui n'a pas les sous pour les donner, ils ne veulent pas non plus leur ramener leurs affaires. Et donc, ils laissent devant la porte. Mais sais-tu combien de mes clients vont acheter chez lui parce qu'ils découvrent la boutique? Et lui, c'est aussi à la peine de mettre ça à la poubelle. Donc tout le monde qui laisse, le soir, il faut le rentrer. Elle a même constaté qu'il y a des gens qui viennent me voir régulièrement puis qu'à un moment donné, achètent aussi, surtout dans la période des festivités, ils achètent chez lui. Donc il faut avoir le cœur, dire ne laissez pas ça là, partez-en avec. C'était la seule façon qu'il doit dire aux gens, partez-en avec, ne laissez pas vos affaires, j'ai pas d'argent pour payer, j'ai pas de place. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai les mains froides, mon nom. Non, parce qu'il y a de nouveau Lucio. Alors, qu'est-ce qu'il faut raconter ici encore? Mais là, Lucio... Non, mais sérieusement, délai, je me demande pourquoi que ça vous angoisse trop que le magasin est rempli, vidé ou... C'est des magasins qui est fait comme ça. Ouais, mais vous savez que la formule ne fonctionne pas. Mais qui t'a dit qu'il ne fonctionne pas? Combien pour les avions? Martin, te l'ai dit. C'est quoi les étapes, les prochaines étapes? Moi, j'ai des boîtes préparées, il y a des boîtes qui ne devraient même pas se rendre à l'entrepôt. Parce que j'ai des bons stocks. Mais on peut les amener temporairement, mais après, ils vont revenir ici. Oui, c'est sûr. Une à la fois. Quand je vais à l'entrepôt, je refouille encore, je remplis un sac et je l'amène ici. Parce qu'il y a des bonnes choses. Là, il y a une boîte de chandeliers qui, parce que je suis en train de dégager ce comptoir-là pour le déplacer. Parce que la table qui est en dessous est vendue. Oui. Il faut que je la sorte. On le met où, le comptoir? Avec le temps, je vais vous amener des armoires vitrées puis vous n'aurez plus besoin de ça. Parce qu'on va mettre la marchandise dans les armoires vitrées. Puis là, à partir de là, ça va être nos démos qui vont rester ici, puis ça va être des commandes, ça va être sur commande. Parce qu'il y a deux options. Il y a soit qu'on rentre du matériel nouveau, puis ça rentre, puis ça sort, puis c'est vendu. Ou l'autre option, que c'est juste des démos, puis les gens commandent. Parce qu'un coup, ça va être dégagé. Là, peut-être Abdoul va les ôter, ces deux armoires. Il va pas les enlever. Lui, regarde, il m'a fait cette bordure-là qui est affreuse. Après, c'est de me consulter. Mélamine, là? Ben oui, mais regarde ça. Ouais, il veut cacher ici. Lui, c'est sa place. Mais moi, ça me dérange. Ouais, mais peut-être qu'après, il va être d'accord à bouger les choses. Je vais lui proposer, mais là. C'est parce qu'il n'y a pas les. Dans sa tête, il n'existe pas le critère de la différence. Ouais, mais il ne sera pas trop tard pour le changer, là. Oui, mais va lui dire que c'est pas beau. Lui, il trouve que c'est beau. Bon. Abdoul, c'est pas un problème pour moi. Abdoul, il faut qu'il fasse ce que je lui ai dit de faire. C'est assez. J'ai tout mis là, Sono passati mesi e malgrado gli sforzi per tentare di aiutare Lucio a rilanciare la sua attività, Martin avverte l'impossibilità di fargli cambiare idea. Me l'aspettavo. Sono rari gli antiquari che apprezzano la novità di un cambiamento. La minaccia della scomparsa della sua bottega si fa sempre più forte e si vede chiaramente che la determinazione di Lucio comincia a sgretolarsi.
Ben, toutes les tables qui ne sont pas assemblées, non, ils sont dans mon locker. Ouais, sauf ça, il faudrait que je vienne. Moi, ça, parce que. Il faudrait venir un matin, puis. Non, moi, il faut que assembler ça. Intègre tout ça. Venez juste de dire un mot qu'il ne fallait pas dire. Vous me parlez de réintégration. Parce que je perds du temps, moi. Moi, je pense que les idées qu'on vient de parler, ça fait une semaine, on ne discute pas. Je pense pas qu'on va prendre décision comme ça. À la fin, tu vas être content de ce que tu fais. Parce que moi, je remarque ces dernières semaines, tu sais, je te vois pas comme le même Lucho que je connais. Ça serait mieux de continuer comme ça. Au moins, tu es content. Tu viens au travail, tu fais tes choses, tu as des relations avec les gens dans le quartier. Ouais. Pour moi, c'est ça que je vois. Sinon, Lucho, si c'est une question d'argent, alors peut-être c'est mieux de... J'ai fermé le magasin. Tiens, j'ai apporté ça il y a 3 semaines. J'ai dit, vous le vendez, sinon vous le jetez. Il est empilé là. Tout ce qu'on avait vidé, ça s'est rempli. On avait tout vidé ici. C'était vide. I rari tesori che Lucio affidava al magazzino di Martin non vi restavano a lungo. Era la sua maniera di prendere in giro il destino. C'è il tempo di chi le chansons maintenant, Lucio. Chanson, sont à l'ordre du jour. Je commence à avoir une bonne inspiration. Qu'est-ce qui va se passer après le magasin? Vous allez devenir poète? Non, je suis déjà poète. Je vais devenir peintre, voyageur. Vivre un peu dans la liberté. Pas avoir d'engagement. Mais t'as créé une chanson. Sur quoi? Attention, la dame. Ça parle de quoi, cette chanson, Lucho? C'est une chanson d'adieu. Que quand je crèverai pour le plaisir des autres, ils vont me la faire jouer en m'accompagnant. Comment ça s'appelle? Goodbye. Goodbye, goodbye, au revoir. Arrivederci, ciao. C'est ça la chanson. Ouais. E poi un giorno, quel che non ci saremmo mai aspettati di vedere. C'est ma marque préférée. C'est allemand, ça. Moi, j'ai un magnétophone de. C'est un vrai studio. C'est au moins de. C'est de 1964-65. C'était ultra moderne. Bon. Dans la vie, il y a toujours une page à tourner. Puis ça fait un gros volume à la fin. Un gros volume à raconter. Alors, Trésor d'autrefois, il a fait son temps, malheureusement, mais c'est pas fini non plus. Hein. Mais Trésor d'autrefois, ça reste toujours le charme de votre décor. Quand vous trouvez quelque chose de... Quand vous trouvez quelque chose de vraiment nostalgique, c'est Lucio au bout de ça.
Je peux pas abandonner certaines choses, c'est impossible. Lascia qua questa, butta. Eh no. Quel che temevo da tempo stava accadendo sotto i miei occhi. Merci. Addio, monsieur le professeur. Oui, allô? Oui. Ça va mal. E anche in quel momento crudele e doloroso, Lucio ha preso il tempo di condividere uno dei suoi tesori d'altri tempi con la nuova generazione. Mia figlia, Jasmine. Tutti i souvenir, monsieur. Il non resta che le souvenir. Non credo che fosse possibile in Italia, perché quello era un negozio di frontiera, cioè era una frontiera immaginaria tra culture e mondi completamente diversi, come se si fosse scavato una nicchia involontaria tra dei mondi, incredibile o divertente, che noi sapevamo ogni anno che il negozio poteva chiudere, perché le difficoltà economiche erano tante, perché Lucio ci diceva ogni volta che arrivavamo adesso metto tutto in ordine, ristrutturo, organizzo le cose. E noi speravamo che non lo facesse. Noi speravamo che non lo facesse e non l'ha mai fatto. Era un non negozio. Il principio fondamentale era che le cose bisognava trovarle. Non si potevano vedere in vetrine. Ma Gipieto, io riparei che se che si va più le antichità, va a andare in pensione, eh? Se va là? On l'a entamé d'une façon convenable et en 3 heures était vidé, le magasin. Quand t'as des bras autour, il n'y a pas de problème. Et avec détermination, on a réussi vraiment à tout dégager, à tout vider, et la page est tournée.
on n'en parle plus. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que veux-tu faire, hein? On n'a jamais compris où qu'on s'en va. Ça veut dire qu'il fallait arriver à ça, puis ça a été vraiment un succès. Bon, c'est tout. On a fini. Ed è così. Lucio ed io ci si è persi di vista. Ma non del tutto. Perché diversi dei suoi tesori si trovano da me. Anche il suo pappagallino CP è in pensione da noi. Tanti ricordi di una persona eccezionale che ha segnato la mia vita e quella della mia famiglia. Lucio, questa separazione non è stata facile. Ecco perché ho voluto mettere in parole quel che le immagini non potevano esprimere. Però anche le parole possono essere malinterpretate. Allora, Lucio, conserva del mio passaggio nella tua vita soltanto il mio desiderio di immortalare questi tesori d'altri tempi e colui che ne era il custode.